Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment rabattre l'émail de manière à avoir des petits picots comme ceci. Je vous montre aussi de ce côté-là, voilà. Donc on a comme ça des petits picots tout le long. Ça peut être sympa pour finir par exemple en bas d'un tricot. Peu importe le point que vous avez fait. Hein. Bon là moi j'ai fait du point ajouré parce que j'envisage de le mettre en bordure d'un tricot ajouré. Mais peu importe le point que vous avez employé avant, hein, ça se fait très bien. D'accord? Donc ça peut se mettre vraiment en bas de n'importe quel tricot. Imaginons que vous finissez un pull. Bah, ça peut apporter une petite touche d'originalité comme ça. Puisque du coup ça fait une petite bordure picotée comme ça. Ça se dit? Ouais, ça se dit picoté. Allez, je vais tout de suite vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué franchement. Et je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Alors, j'ai donc ma première maille qui est ici. Je vais piquer là, je fais passer mon fil, je ressors et je mets hop sur l'aiguille comme ceci. Ensuite, je pique à nouveau entre les deux ici. Voilà. Je glisse mon fil. Je ressors. Alors, avec toute la maille, ce sera mieux. Voilà. Et je la pose aussi ici. Bon, moi, je reste piquée. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais tricoter une. Hop, deux. Je rabats. Je rabats une, puis deux, puis trois, et quatre, comme ça. Et ma maille qui est là, je la remets sur l'aiguille de gauche. Et voilà, j'ai refait un petit picot, comme vous pouvez le voir ici. Il vous suffit donc de répéter la même opération. On pique entre les deux, on fait comme ceci, on glisse dessus, on repique du coup juste après celle qu'on vient de mettre sur l'aiguille, hop, entre deux, on passe comme ceci, on remet dessus, puis on tricote pour rabattre en fait. Une, deux, là j'en rabats une. J'en rabats deux. Hop. Trois. Et quatre. Et là, je rebascule ma maille ici pour pouvoir répéter la même opération. Et voilà, hop. Encore un petit picot. Et ça fait plein de petits picots. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la partager, à mettre des petits j'aime et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.